Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une pocket letter que j'ai faite pour un échange pardon, que j'ai organisé sur mon groupe. Voilà. Et donc c'était la toute première pocket letter pour mon groupe. Voilà. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on faisait le thème qu'on voulait, enfin par rapport au goût de notre binôme. Voilà. Et moi ma binôme, ben, vous avez déjà vu ce qu'elle m'a envoyé. Hein. Je vous remets le lien en fin de vidéo. Donc moi c'est celle-là que donc elle n'avait pas encore reçue. Donc ça c'est l'enveloppe que j'ai faite. Hein. Comme vous savez, j'ai l'habitude de faire des enveloppes avec des feuilles 30-30. Voilà, donc là c'était des embellissements fleurs que l'on m'avait offert. C'est des bobunis si je me rappelle bien. Voilà, donc j'avais remis une petite dentelle autocollante. Celle-là, je ne sais plus où je l'avais eu, si c'est Action ou autre chose, je ne saurais plus vous dire. Voilà, et donc je lui ai fait une pocket letter un peu vintage. Voilà. Assez simple, voilà, elle n'est pas chargée. Bon, c'est pareil, les papiers, je ne saurais plus vous dire lesquels que c'était les papiers que j'avais déjà depuis un petit moment, mais c'était un peu plus steampunk, enfin la collection c'était un peu steampunk, vintage, donc voilà. Donc, la page de fond hein, qui est là, bien sûr, j'ai recollé des vignettes qui avaient, donc, dans, oh là, si je vous mettais à l'endroit, ce serait mieux. Pardon, voilà, j'avais pas, je m'étais pas aperçu, je vous l'avais mis à l'envers. Si, maintenant, c'est à moi. Oh là là, bah alors, dites. Voilà. Donc ça, c'est des vignettes que j'ai redécoupées en plus dans la collection hein, des Dames de la Belle Époque. Là, c'est un embellissement qui va avec les fleurs que j'ai mis sur l'enveloppe. J'ai rajouté un petit embellissement en métal en forme de feuille. Voilà. Ici, un embellissement de chez Action, hein, les vintage. Là, ce sont des petits embellissements que j'ai fait moi-même. Donc avec des filigrammes et des petites perles en forme de fleurs en résine. Des strass, la dentelle de chez Action, hein, la dentelle autocollante. J'ai mis des petits angles en métal, voilà, de chaque côté. Ensuite, des petits strass, des demi-perles ici, alors voilà, les demi-perles là, juste pour décorer un peu la décoration qu'il y avait déjà sur la feuille. Et ici, le support du cabochon, on me l'avait offert aussi il y a un petit moment. Et j'ai remis un cabochon que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à une fille qui, c'est elle qui l'a fait avec du vernis. Voilà, donc je l'ai mis. Après, j'ai décoré le côté de la pocket letter, donc avec une dentelle autocollante qui vient toujours de chez Action. Et là, c'est un ruban. Donc le ruban, vous ne voyez pas, il est en dessous de la dentelle. C'est un ruban avec des perles. Voilà, comme ça, des grosses perles. Ça faisait un bail que j'avais ça. Donc ne me demandez pas où je l'ai eu. Je n'en sais rien. Voilà. Je ne m'en rappelle plus du tout. Donc voilà, pour le devant. Donc les petites dentelles un peu partout. Là, il y a encore des petits embellissements d'angle, voilà, en métal, ici, ici. Je pense que ça fait assez vintage. Ouais. Et derrière, alors là, par contre, ça fait pas vintage. j'ai mis des petits post-it dans chaque pochette, voilà, avec les numéros. Parce que les cadeaux que j'ai mis, les voici. Voyez, donc les enveloppes sont là. Ça rentrait pas dans la pocket letter. C'était pas possible que ça rentre. Voilà, vous voyez. Donc, du coup, bon, j'ai fait les numéros. Voilà, donc le numéro 6, ça correspond à ça, etc. Et
Voilà. Donc ici, au milieu, j'ai juste rajouté une petite tisane. Voilà. Donc en tout, elle a 8 cadeaux avec la pocket letter et cette petite tisane. Pardon. Et je dois lui rajouter une carte que je vais faire tout à l'heure, que je n'ai pas faite encore. Mais je vous la montrerai sur une autre vidéo si vous voulez. Donc voilà la pocket letter que j'ai faite donc dernièrement. Là je suis en train d'en préparer une également sur le thème d'Halloween, donc vous la verrez aussi prochainement. Et puis voilà. Alors comme d'habitude, la vidéo est assez courte, hein, voyez. Bon, c'était juste pour vous la présenter, puisque dans celle d'Halloween, pardon, vous la verrez puisque j'ai filmé sa fabrication. Donc malgré que j'ai déjà fait des tutos, hein, sur la pocket letter, donc celle d'Halloween, vous la verrez en cours de fabrication. Voilà. Donc là, pour ranger, bah, c'est pas compliqué. On plie en 3 et on remet dans son enveloppe, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Et puis c'est très joli. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye!